Mesdames et messieurs, comme nous sommes cinq, je ne ferai pas de propos liminaires. J'ai déjà bien assez parlé comme ça. Je répondrai à vos questions si vous avez des questions. Et je propose à mes amis de faire un propos liminaire et après on répondra à vos questions. Ne voyez pas des intérêts, mais je viens de conclure le sommet. Je ne vais pas vous imposer la même chose en moins bien. Monsieur le Président, après Jacob. Your Excellency President Sarkozy, Excellencies heads of state and government, members of the press, I am happy to inform you that this summit has been extremely successful and opened up new windows of opportunity for greater cooperation between France and Africa. The summit devoted a considerable amount of time reviewing how together we can resolve the issues of global governance, peace and security, as well as climate change and development. On peace and security, we have resolved that we need to create opportunities to ensure lasting peace in many parts of Africa, and that we must emerge from the past and move to create a new Africa based on consultation, accommodation, as well as tolerance. Although peace and security is a challenge for Africa, we have made progress, and we are on the process of finding last solutions to the issue of lasting peace. The summit has agreed that a strong and feasible partnership between Africa and France. Et il y a, et nous en sommes conscients, la nécessité de créer un véritable partenariat entre la France et l'Afrique pour garantir la paix et la sécurité sur notre continent. Comme nous le savons tous, cette paix, cette sécurité continue à être un défi. Nous avons également discuté d'un autre défi, celui du changement climatique. Et nous avons décidé ensemble d'examiner l'accord de Copenhague et en préparation de la prochaine réunion de Cancun, nous voudrions être sûr que la question du changement climatique ne va pas entraver le développement de l'Afrique. Sur la question de la réforme des Nations Unies, nous sommes tombés d'accord pour dire que l'Afrique doit être pleinement représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies par le biais de réformes qui reconnaissent la place et le rôle que doit occuper l'Afrique dans les négociations mondiales et en particulier pour faire entendre la voix des peuples africains et défendre les intérêts africains. Et par conséquent, il nous faut trouver une approche concertée dans le cadre de la coopération pour mettre en place cette réforme des Nations Unies qui amène à ces développements. En tant que président de l'Union africaine, je voudrais tout d'abord remercier au nom des peuples africains et en mon nom propre, le président Sarkozy pour l'initiative qu'il a prise d'organiser ce sommet et d'avoir fixé cet ordre du jour pour notre sommet qui est au centre même du développement pour l'Afrique. L'Afrique et l'Union africaine sont prêtes à travailler avec le président Sarkozy de la France pour rapprocher la France et l'Afrique, pour renforcer ce partenariat qui existe entre la France et l'Afrique pour ensemble réussir la réforme des Nations Unies, une réforme qui soit au bénéfice de l'Afrique, mais aussi de tous les autres pays membres des Nations Unies. Je vous remercie. Well, thank you, Your Excellency, Mr. President Sarkozy. Merci, Excellence, Mesdames et Messieurs de la presse.
Je remercie d'être présent, mais je pense qu'il serait peut-être plus utile que vous posiez des questions. Vous avez sans doute des points qui vous intéressent plus particulièrement. Mais je dirais que ce sommet a été très utile à la fois pour la France et pour nous qui venons du continent africain. Nous avons eu l'occasion de parler de questions qui sont vraiment à l'ordre du jour, d'une manière franche, ouverte. Et l'une des qualités du président Sarkozy, c'est que justement, il s'exprime de manière franche et ouverte, et nous avons fait la même chose sur toute une série de questions. Une question soulevée par la présidence de l'Union africaine porte sur notre représentation dans les institutions internationales. C'est un point essentiel pour l'Afrique. Nous pensons que les temps ont véritablement changé et que nous ne pouvons plus continuer à vivre avec des institutions qui ont été créées dans les années 40, où il existait beaucoup moins de pays, où la plupart des pays du continent africain étaient des colonies, alors qu'il s'agit aujourd'hui de pays indépendants. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner avec ces règles qui sont maintenant dépassées et qui nous pénalisent en tant que pays. De plus, ces règles ne sont pas en accord avec les principes démocratiques tels que nous les concevons aujourd'hui. Et je crois que les temps sont venus d'aller de l'avant. Et je suis sûre que le président Sarkozy saura faire passer son point de vue. Il a d'ailleurs fait des propositions sur des réformes intermédiaires. Alors, sur cette question, l'Afrique parle de manière claire. Pour nous, ce qui prévaut, c'est le consensus de Winnie. Mais nous avons bien dit que lors du prochain sommet, justement, nous allons discuter de ces questions pour voir comment avancer. Car nous sommes dans une sorte de processus de négociation et nous pensons que les pays développés doivent justement se rendre compte de ce changement qui est aujourd'hui en cours. Car il y a en fait une contradiction dans ce débat. D'un côté, l'on nous dit en termes de gouvernance, il nous faut la démocratie, il nous faut la transparence. Et de l'autre côté, il faut préserver le droit de veto à certains pays, quel que soit l'accord qui peut régner par ailleurs. Donc, nous avons besoin de dépasser cette situation. Et c'est un sujet qui a fait l'objet de débats tout à fait intenses, car nous représentons un contingent important en tant que continent au sein des Nations Unies. Et ces pays ont été ceux qui ont le plus été soumis au colonialisme. Donc les choses ont véritablement changé. Aujourd'hui, j'en parle de façon passionnée parce que nous sentons bien à quel point c'est vital pour nous. Mais le débat est en cours et nous pensons que le président Sarkozy nous a donné l'occasion d'écouter le point de vue des uns et des autres, le sien, puisqu'il a son point de vue propre, et celui du continent africain. Nous avons aussi parlé de la question importante des conflits qui ont lieu en Afrique. Et là, nous avons besoin de soutien. Car ces conflits n'ont pas leur origine uniquement au sein de l'Afrique, puisque l'histoire est responsable en grande partie de ces conflits. Et nous devons y faire face. Car nous pensons que c'est ce qui empêche le développement du continent africain. Le conflit et le développement ne peuvent cohabiter. C'est impossible. Donc nous devons faire face à ces conflits. Et en tant que continent africain, nous sommes très fortement engagés sur la question des changements non constitutionnels de gouvernement, des coups d'État militaires. C'est quelque chose que l'on ne peut plus tolérer.
Et là, il s'agit d'une prise de position du continent africain, de l'Union africaine, et cette position doit être respectée de manière à ce que aucun facteur de coup d'État et partie prenante à des coups d'État ne puisse recevoir le soutien d'extérieur. Bon, je ne veux pas revenir sur ma promesse, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Bon. Président Biya. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les journalistes, les orateurs qui m'ont précédé ont tout dit et je prends la parole tout juste pour d'abord exprimer mes remerciements au Président de la République française pour cette initiative brillante qu'il a prise de réunir tous les États, les chefs d'État africains et la France ici pour délibérer sur des points cruciaux et importants de la vie internationale et nationale. Je voudrais également saisir cette occasion pour le féliciter pour le caractère brillant, le succès de cette conférence où le président Sarkozy a porté sa méthode, langage direct, franc, dynamique. Chacun a pu s'exprimer franchement et les échanges ont été fructueux. Je voudrais simplement dire qu'il y a quelque temps, à Yaoundé, nous tenions une réunion moins importante où nous affirmions que l'Afrique avait atteint sa maturité. Eh bien, ici, c'est la prolongation de cette idée. Si l'Afrique est mûre, eh bien, elle doit utiliser le langage de la maturité. Elle ne doit pas seulement chercher à obtenir de l'aide, une tutelle. Il faut que l'Afrique apporte sa contribution à la solution des problèmes du monde. Je voulais également dire toute notre appréciation au président Sarkozy pour l'appui fort qu'il nous apporte dans nos revendications pour une meilleure représentativité de l'Afrique au sein des instances décisionnelles du monde, et particulièrement au Conseil de sécurité. C'est une idée ancienne et aujourd'hui nous avons été en présence d'une proposition nouvelle concernant notre présence comme membre permanent au Conseil de sécurité. Quand je dis notre, c'est-à-dire de l'Afrique. J'estime que l'Union africaine va réfléchir là-dessus, mais j'estime que c'est déjà un pas en avant par rapport au statu quo. Enfin, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier encore une fois le président Sarkozy et le gouvernement français pour l'appui multiforme qu'il nous apporte, que ce soit au point de vue de l'aide bilatérale ou dans les problèmes de maintien de la paix ou de sécurité en Afrique. Nous venons d'apprendre que la France formera 12 000 soldats. Je ne parle pas des sommes d'argent qui sont affectées pour assurer une meilleure stabilité de l'Afrique. Enfin, nous saluons l'initiative qui a consisté à réunir ici, aujourd'hui, à Nice, des entreprises françaises et une bonne partie des entreprises camerounaises pour renforcer le partenariat. Car nous pensons que c'est en coopérant aussi bien au niveau des États qu'au niveau des entrepreneurs que nous allons renforcer la coopération si amicale et féconde entre la France et l'Afrique. Merci. Premier ministre Meles Zenawi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que mes collègues ont dit. Je voulais tout simplement dire que j'apprécie tout à fait la manière franche avec laquelle nos discussions se sont déroulées. Je m'associe pleinement à ce que mes homologues viennent de dire. Merci. Allez-y.
France Info. Monsieur le Président et Messieurs les Présidents, Monsieur Sarkozy, vous avez souvent essuyé des critiques sur ce qu'on appelle la France-Afrique. Est-ce que ce sommet va faire évoluer les relations entre la France et l'Afrique et avec quelles garanties ? Je ne suis pas le seul à avoir essuyé des critiques sur la France-Afrique, dont vous conviendrez qu'on ne peut pas dire que ça a commencé avec moi. Mais c'est très étrange, je l'ai dit à mes amis africains. Quand un chef d'État est passionné par l'Afrique, il y a beaucoup de suspicions. Et quand il est moins passionné par l'Afrique, il y a beaucoup de critiques. Entre ingérence et indifférence, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, Jacob Zuma s'en souviendra certainement, c'est l'un des premiers thèmes qu'on a évoqué quand je l'ai rencontré en Afrique du Sud, alors qu'il n'était même pas encore président. Hein ? Trouver la bonne ligne entre indifférence et ingérence. Je pense que ce sommet, avec les thèmes qu'on a mis sur la table, la présence des entreprises, comme l'a dit Paul Biya, puis les thèmes qu'on a mis sur la table, tourne la page d'une relation un peu complexée, complexe et complexée. Voilà. Et je pense que l'Afrique est heureuse de voir qu'un grand pays européen est à ses côtés pour qu'elle ait sa place dans la gouvernance mondiale. Je pense que l'Afrique est heureuse qu'un grand pays, qu'une grande économie développée soit battue à Copenhague pour que l'Afrique soit la première bénéficiaire des fonds s'agissant de la bataille pour le climat. Bon, est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va vous faire évoluer, vous ? C'est la question. C'est à vous d'y répondre maintenant, par vos articles et par vos commentaires. Mais rien que la composition. Enfin, pour moi, vous savez, faire la conférence de presse aux côtés, bien sûr, de Paul Biya, mais et du président de l'Union africaine. On peut dire qu'on est dans la tradition, mais en plus du président d'Afrique du Sud et du premier ministre d'Éthiopie, qui n'étaient quand même pas des éléments structurants des sommets Afrique-France avant. Et je l'avais dit d'ailleurs en Afrique du Sud quand j'avais parlé devant le Parlement. Et sur Copenhague, on peut dire, je parle sous contrôle de Jean-Louis Borloo et de Bernard Kouchner, Meles Zenawi et nous, on a travaillé absolument main dans la main. Je dois pouvoir le dire. Et quand on réclame que tous les pays africains ratifient Copenhague, c'est une demande de Meles Zenawi comme d'hab. Mais oui, je pense que ce sommet marquera en tout cas une étape. Bon, une étape. Éric Nindou, rédacteur en chef de Vox Africa TV. Monsieur le Président, messieurs les Présidents. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, un des thèmes, c'était la paix et la sécurité, et notamment, particulièrement, celui des crises institutionnelles en Afrique. Il y en a une qui est persistante, c'est celle à Madagascar. C'est d'ailleurs sans doute une des conséquences de la non-présence, de l'absence d'un représentant de ce pays ici. On aimerait savoir si vous en avez parlé, en particulier, de Madagascar. Et est-ce que la France et l'Union africaine sont sur la même longueur d'onde pour régler cette crise, et notamment le rôle de la SADC. Bon, deux autres petites questions. Vous parlez de sommet de la réforme. Qu'en est-il au niveau, on parle économie, mais au niveau monétaire, et peut-être aussi au président Biya, en ce qui concerne le franc CFA, y a-t-il une réforme ? Est-ce que pour l'année des 50 ans d'indépendance d'un certain nombre de pays africains, est-ce qu'on va évoluer sur cette question-là. Et enfin, la question de la migration, question ô combien importante dans les relations entre la France et l'Afrique. Symboliquement, pendant que vous teniez sommet ici au Palais des Congrès à Nice, il y avait une marche des sans-papiers dans les rues de Nice. Certains sans-papiers, dont bon nombre sont d'origine africaine, représentent une partie de cette diaspora africaine qui vit en France. Est-ce que vous en avez parlé ? Et en particulièrement en France, comment comptez-vous régler la question des sans-papiers ? Merci. Merci pour ces trois petites questions. Ça donne de l'espoir quand vous aurez une question large. Sur Madagascar, d'abord, on pourrait se demander pourquoi la France s'y intéresse. Je voudrais rappeler quand même que Madagascar est un voisin très proche de la France. Il y a ici, parmi nous, le nouveau président de la région Réunion, Didier Robert, que j'avais tenu à inviter. Et Madagascar, nul ne le conteste, est dans un bassin francophone avec Maurice,
la Réunion, etc. Donc il y a une légitimité. Deuxièmement, j'ai toujours pensé que la position de la SADC était extrêmement importante, hein, l'organisation régionale. Et le travail que nous avons mené avec l'Afrique du Sud pour rapprocher nos positions a été très utile et conduit à quoi ? Le pouvoir actuel, on ne peut pas dire qu'il soit issu d'un processus totalement démocratique. Je dis totalement de façon ironique. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'élection. Le pouvoir précédent était-il un exemple de démocratie ? Je ne suis pas certain non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Hein ? L'Afrique du Sud a beaucoup fait pour essayer de rapprocher les points de vue. Il y a une bonne nouvelle très récemment, puisque M. Rajoeline a indiqué qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Donc je crois pouvoir dire, mais M. Zuma le dira lui-même, que les positions entre la SADC, l'Afrique du Sud et la France se sont extrêmement rapprochées. On a hésité, hein, parce que tous les pays africains, les 53, sont présents, à l'exception de deux, je crois, dont Madagascar. Voilà la raison que nous a amené. Donc je pense vraiment que sur cette question-là, la confiance qu'il y a entre le président Zuma et moi, et puis le travail qui a été fait, a beaucoup rapproché les choses. Alain Joyandet s'est en lui-même beaucoup employé en la matière. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Le franc CFA, on n'en a pas parlé. On ne peut pas parler de tout, on a bien voulu. Bon. Là-dessus, on aura l'occasion de rediscuter de tout ça dans le cadre du nouvel ordre monétaire mondial qui sera une des priorités de la présidence française du G20. Sur les migrations, mais quelle est la première réponse à la migration ? C'est le développement économique de l'Afrique. Et ce sommet avec les chefs d'entreprise africains et français, c'est pourquoi ? C'est pour le développement. Mais il n'y a aucun pays africain qui est pour la fuite des cerveaux. Il n'y a aucun pays africain qui soutienne les réseaux criminels et mafieux qui organisent le passage de pauvres gens exploités et qui en font des sans-papiers. Troisièmement, je ne peux pas laisser dire que la diaspora africaine en France, ce soit uniquement les sans-papiers. Mais il y a 10% de la population française aujourd'hui qui a des rapports avec l'Afrique. Ne disons pas que tous n'ont pas de papiers. Et puis il y a eu des idées sur la table qui ont été mises notamment par le président Ouad d'un visa pour les hommes d'affaires. Pourquoi pas ? Il faut qu'on travaille ensemble en la matière. Ça n'a pas été, voyez-vous, un sujet, mais on avait ces trois sujets. On a surtout dit, dans le fond, c'est plutôt une bonne idée de faire des sommets qui ne parlent pas de tout. Parce que quand on parle de tout, on discute de rien. Voilà. Hein ? Mais il n'y a pas de malentendu entre nous là-dessus. Vous me donnez des bonnes idées pour les prochains sommets. Sur Madagascar, tu veux dire ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dois dire que nous n'allons pas discuter des conflits partout sur le continent, sinon nous aurions discuté de la Somalie, par exemple. Il faut en fait discuter de grands principes, mais il y a des interactions en cours sur des points clés sur Madagascar. Le président Sarkozy a raison. La SADC traite de la question de Madagascar, même les relations dont le président vient de parler, eh bien, je les confirme, nous discutons de cette question et je suis tout à fait reconnaissant que la France, le président Sarkozy, ait contribué à trouver une solution à cette situation. Nous avons eu des consultations, mais je crois que nous sommes sur le point de résoudre cette question. Et nous avons l'un des protagonistes qui a décidé de ne pas se présenter. Cela prouve qu'il y a des modifications parmi les dirigeants dans ce pays. Nous sommes sûrs de pouvoir résoudre cette question. Merci. RTL. Monsieur le Président, est-ce que vous avez des nouvelles des Français qui ont été arrêtés hier au moment de l'assaut de la flottille et comptez-vous évoquer leur sort avec le Premier ministre israélien ? Et d'une façon générale, qu'avez-vous pensé de cet assaut et redoutez-vous l'escalade ? Bon, sur votre première question, en m'excusant auprès de mes amis, hein, c'est l'actualité,
J'ai fait le point tôt ce matin. Notre ambassade et notre consulat à Tel Aviv ont identifié 9 Français auprès desquels nous avons demandé l'exercice de la protection consulaire. L'un d'entre eux, je peux vous l'annoncer, a quitté Israël ce matin par avion. 8 autres, je suis prudent, ont apparemment refusé l'expulsion. Je dis apparemment refusé l'expulsion. Ils sont, à la minute où je vous parle, dans un centre de rétention et une procédure est en cours pour qu'ils puissent quitter le pays. Le dernier Français est en cours de localisation car il ne s'est pas encore fait connaître. Je parle sous contrôle de Bernard Kouchner. Voilà le point le plus précis, sous réserve, que je puis présenter. Sur l'opération en elle-même, la communauté internationale s'est exprimée très clairement sur l'opération israélienne de la nuit passée. Tout le monde a été choqué par le nombre de morts et par la violence des événements. À titre personnel, après que M. Kouchner l'ait fait au nom du Quai d'Orsay, j'ai condamné l'usage disproportionné de la force par les Israéliens. Et à l'évidence, c'est ni plus ni moins qu'une tragédie. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité hier soir, une décision qui condamne ces événements et qui demande une enquête impartiale. Une enquête est naturellement obligatoire pour comprendre ce qui s'est exactement passé. Pourquoi ces convois humanitaires? Pourquoi cette violence? Pourquoi ces événements? Une des réponses, parce qu'il y a un blocus à Gaza. Et le Conseil de sécurité juge intenable ce blocus du fait de la situation humanitaire très difficile dans le territoire. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un conflit israélo-palestinien qui dure et dont on ne voit pas la fin. Si les Palestiniens pouvaient s'administrer eux-mêmes, si les Israéliens savaient qu'ils sont en sécurité dans un pays reconnu par tous les États de la région, alors il n'y aurait plus de blocus à forcer, il n'y aurait plus de bateaux à raisonner et il n'y aurait plus d'interventions qui tournent au drame. Alors bon, il y a aujourd'hui une reprise timide, tellement timide, des négociations et encore de façon indirecte. Ce n'est pas un progrès si l'on se souvient de l'époque où il y avait des discussions directes. Alors ce qu'il faut, c'est que les Israéliens et les Palestiniens se parlent directement. C'est du temps perdu tout ça. Et il faut absolument qu'on surmonte tous les blocages pour arriver à une paix durable dont chacun connaît les paramètres définitifs. Et à l'automne, avec nos amis américains, nous prendrons des initiatives pour que le processus rentre dans une phase active. Toutes ces catastrophes étaient parfaitement prévisibles. Je ne dis pas, pardon, la tragédie d'hier, mais enfin, c'est celle-ci, il y aurait pu en avoir une autre, il y en aura d'autres, c'est parfaitement prévisible. La solution la plus imprudente, c'est l'immobilisme. Et la solution la plus prudente, c'est l'audace entre Israéliens et Palestiniens qui doivent faire la paix. Et les paramètres de la paix sont connus. Et il faut maintenant que chacun se hausse au niveau de sa condition d'homme politique pour devenir un homme d'État, de tous les côtés, et arrêter avec tout ceci. Voilà. Alors, par ailleurs, l'enquête doit être impartiale, doit être crédible, doit être transparente, conforme aux critères internationaux. Il y a plusieurs possibilités qui existent. Il ne m'appartient pas de la choisir. Est-ce que c'est les Nations Unies? Ce pourrait être aussi le Comité international de la Croix-Rouge. Pourquoi pas? Ce n'est pas à la France de choisir seule qui mènera l'enquête. Ce qui compte, c'est que enquête il y ait et que cette enquête soit crédible et que toute la lumière soit faite sur ces événements et sur cette tragédie. Merci, Monsieur le Président. Noureddine Bouzian, Al Jazeera.
On vous a vu, Monsieur le Président, à plusieurs reprises lors de ce sommet en aparté avec votre homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. On sait que récemment, les relations entre Alger et Paris n'étaient pas, normales. Pourquoi récemment? Parce qu'il y a eu, par exemple, l'annulation de la visite de M. Kouchner à Alger. Il y a eu le problème des Algériens qui demandent que la France s'excuse. Ma question, elle est simple, Monsieur le Président. Est-ce à dire qu'à partir d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une nouvelle page qui s'ouvre entre vous et le Président Bouteflika, l'Algérie et la France? Et quand est-ce que M. Bouteflika viendrait en France? Merci. Non, mais moi, j'étais très sensible à la présence du Président Bouteflika. Pourquoi ne pas le dire? Mais je me suis permis de reprendre le récemment parce que les problèmes qui peuvent exister entre l'Algérie et la France ne sont pas des problèmes qui existent entre deux présidents à titre personnel. Aujourd'hui, M. Bouteflika et moi, enfin, on s'entend très bien, nous nous connaissons très bien. J'avais eu le plaisir d'être reçu bien avant d'être président à plusieurs reprises, vous le savez, par le président Bouteflika. Et pour tout vous dire, je lui ai téléphoné spécialement pour lui dire « Je t'en prie, viens, c'est important que tu sois là ». Et c'est un geste qui vienne. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu une histoire entre l'Algérie et la France, que cette histoire est compliquée, qu'il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça, beaucoup d'incompréhension, et qu'il serait tellement important que les historiens puissent faire leur travail, librement, eux-mêmes. Voilà. Alors, est-ce qu'il suffit que le président Bouteflika participe au sommet Afrique-France pour que, tout d'un coup, tout s'éclaire dans la relation entre la France et l'Algérie? Je crains que je n'aurai pas exactement le même optimisme. Voilà. Mais la présence du président Bouteflika, pour nous, c'était important, c'était... Voilà, mais je sais bien qu'il faudra encore du temps. Et j'ai dû moi-même m'y résoudre, parce que quand je regarde l'histoire... Pour moi, la guerre d'Algérie, c'est une histoire, au sens, avec un grand H. Ce n'est pas une expérience, puisque je n'avais pas l'âge. Hein. Donc sans doute, de mon point de vue, je vois les choses de façon moins passionnée. Et je considère que l'Algérie, c'est un pays ami... Il y a tant d'Algériens qui partagent avec nous la culture, le français, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée, c'est extrêmement important. Bon. Mais il y a ce contexte, voilà. Il faut du temps. Et le travail des historiens. Peut-être une dernière question pour ne pas abuser de la... Je sais que mes amis doivent repartir. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour les autres présidents. Moi, je suis Mohamed Ba de radio politique italienne qui s'appelle Radio Radicale. Et donc, je vois un staff très puissant ici entre les quatre présidents et le premier ministre éthiopien. Je voudrais demander tout simplement quelles sont vos priorités par rapport à la nouvelle page, cette nouvelle approche et surtout sur le changement climat que je tiens beaucoup en considération vu que l'Afrique... comme on suppose, soit les pays les plus vulnérables par rapport au changement climatique. Donc la déforestation, les inondations, l'érosion. Allez. Et tout cela. Qu'est-ce que c'est une question pour le Premier ministre Meles Zenawi. Oui. Mais Monsieur le Président, par rapport à la nouvelle page et avec ces nouveaux... J'ai compris. Voilà, merci. Comme vous l'avez si bien dit, l'Afrique n'est pas responsable du changement climatique. C'est une victime de ce changement climatique provoqué par d'autres. L'Afrique doit accepter l'accord de Copenhague malgré ses limites. Et nous devons signer cet accord malgré ces limites. Dans nos discussions aujourd'hui sur le changement climatique, eh bien, nous sommes dit qu'il fallait que les pays africains individuellement signent cet accord. Seuls 29 pays sur 53 l'ont signé. Et nous savons qu'il faut que les 30 milliards soient disponibles rapidement. Il s'agit du fonds
précoce, du financement précoce. Nous encourageons le président Sarkozy et ses pairs à accélérer l'aide à la protection de nos forêts, particulièrement dans le bassin du Congo. Nous avons également insisté sur le fait qu'il s'agit d'un financement à long terme qui est essentiel pour l'Afrique. Pour l'Afrique, le changement climatique sape ses perspectives de développement. Les activités de développement deviennent plus coûteuses et nous avons également les coûts marginaux qui accompagnent ces changements. Et à Copenhague, on nous a promis une certaine somme d'argent par an, 30 milliards, et nous voulons que cet argent soit disponible. Je sais que le président Sarkozy a défendu cette position et nous voulons qu'il continue à jouer un rôle important dans ce sens et qu'il soit notre avocat dans ce domaine. Voilà ce dont nous avons débattu ce matin. Bon. Une dernière, parce qu'après ils doivent partir. Oui. Oh. Hein, mais tout le monde. Monsieur le Président. Ça fait deux jours que j'essaie que tout le monde parle, puisse parler. On a Ulrike Koltermann, l'agence de presse allemande, ici. On a beaucoup parlé des relations entre la France et l'Afrique. Est-ce que l'Élysée était au courant des achats immobiliers de la famille Bongo à Paris? Et si oui, est-ce que vous appréciez qu'un président d'un pays africain investisse une certaine partie du budget de son pays dans l'immobilier à Paris? Merci. Ah, ça m'aurait manqué, cette question. Bon. La famille de chef d'État ne me consulte pas quand elle fait des achats. Et c'est soit à titre privé, parce que je ne fais pas partie de la famille, soit à titre de l'État du Gabon, parce que vous venez d'Allemagne, si j'ai compris, je ne suis pas en charge du Gabon. Donc je n'étais pas au courant et on ne me consulte pas. Voilà. Merci à tous et merci à mes amis. Merci.